Aliou Cissé n'est pas le premier Africain à obtenir des succès. Un sélectionneur ivoirien aurait dû lui aussi ouvrir la voie. On va aller feuilleter avec ça. Beaucoup sont restés à la télévision et depuis, je leur cours après pour me les restituer, mais bon. Des hommages qu'on me rend, quoi. Pour l'instant, je suis le seul Ivoirien à avoir gagné la Coupe d'Afrique. Ça fait bientôt 31 ans. Bon, on va aller, je vois. J'ai tout un album de 92 qui est parti à la RTI. Je suis Yo Martial Paul. J'ai 76 ans. J'ai gagné la Coupe d'Afrique des Nations en 1992. Anthony Bafoué, je crois qu'il avait raté tout à l'heure son premier tir. Non, il avait marqué. Ah, il avait Kassaré qui avait raté son tir au but. Donc, Anthony Bafoué. Nous sommes champions de Côte d'Ivoire et les champions de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça fait des souvenirs qui me font penser à beaucoup de choses parce que avant de partir en 92, on aurait voulu que Philippe Troussier prenne ma place. Et ce sont les joueurs qui ont fait un sit-in devant le cabinet du ministre pour l'obliger à me maintenir. Le choc le plus flagrant encore, vous pouvez imaginer quelqu'un qui, malgré toutes ses difficultés, gagne la Coupe d'Afrique sans avoir encaissé le moindre but. Et c'est la première Coupe du pays. On me limoge pour reprendre le même troussier. Un blanc, bon. Un affront d'autant plus difficile que Yeo Martial avait obtenu en France tous les diplômes nécessaires. Tout ça, c'est Vichy. Pas même Vichy. Ouais. Oui, déjà, ça c'est un Congolais, Zaïrois. Il est seul parmi tout le lot. Là. Vraiment, on était au milieu des Blancs. Ça peut intimider, mais il fallait s'engager. On a quitté l'Afrique pour aller en Europe. Il fallait serrer les dents et y être. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup qui avait fait de la formation comme nous avons eu la chance de le faire. Et donc, les entraîneurs diplômés, ça se comptait un peu sur le bout des doigts.